Et salut à tous les amis, c'est CryptoPartage, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette vidéo d'analyse du 13 septembre 2021, nouvelle semaine sur le marché crypto. Et comme vous pouvez le constater à l'écran, on démarre plutôt mal avec une map qui est entièrement dans le rouge ou dans sa quasi-globalité, avec un BTC qui décide de retracer, qui ne montre toujours pas de signes haussiers, donc 44 600$ au moment où je tourne la vidéo. Ethereum de son côté, ça corrige encore plus fort, comme souvent quand BTC corrige, les alts corrigent plus fort, et on le confirme du coup avec BTC 3 200$, moins 6%, Solana qui est de retour non loin de la zone des 150$, à moins 12%, du côté d'Avalanche c'est pareil, on corrige, ADA Cardano aussi. On fera un petit point d'ailleurs sur l'écosystème ADA Cardano, puisque on a eu de belles news, hein, avec notamment la mise en place des smart contracts sur Cardano. Et on a quand même 2-3 bonnes nouvelles, 2-3 cryptos qui arrivent à rester dans le vert, notamment Tezos plus 17%, je vais l'analyser en seconde partie de vidéo. Cosmos aussi, c'est pareil, qui continue son pump, 34$. Dot qui semble être sur le pas de tir. Et Elrond aussi, on fera aussi un petit point qui marque un tout petit temps d'arrêt dans sa hausse. Un grand merci à toutes les personnes qui ont laissé des commentaires hier sur le crypto cours, vraiment dans la quasi-totalité des commentaires que j'ai eu, c'était que du positif, donc vraiment ça me fait hyper plaisir parce que je prends beaucoup de plaisir à faire ces vidéos, et si elles vous plaisent aussi, bah, tant mieux. Du coup, pour ce qui est de ce concept, on aura au minimum une vidéo par week-end, tous les week-ends, voilà, je vous sortirai un crypto cours, et peut-être si j'ai plus de temps dans la semaine, je vous sortirai un deuxième crypto cours, voilà. Voilà, ça sera en mode un peu surprise. Donc voilà pour ce concept là. Pour tous les nouveaux sur la chaîne, n'hésitez pas à rejoindre du coup la chaîne en vous abonnant et à me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux, Twitter, Insta et le Discord, où il y a vraiment une très bonne ambiance. Je vous conseille de passer faire un petit tour. Le Fear and Greed sur le BTC qui bascule petit à petit dans la peur. Regardez, aujourd'hui on est officiellement rentré dans la peur, hein, avec le niveau 44. Avant on était en zone de neutralité. Donc voilà, ça s'explique tout simplement parce que le BTC baisse. Mais après, je sais pas si c'est pris en compte dans le calcul du Fear and Greed, les altcoins, puisque on a quand même pas mal d'altcoins en fait qui maintiennent nos portefeuilles à flot, hein. On n'a pas vraiment l'impression de prendre de grosses corrections. Après voilà, ça dépend des alts que vous avez, parce qu'il y a aussi des alts qui sont très corrélés au BTC en ce moment et qui du coup plombent aussi les portefeuilles. Mais par exemple, si vous avez du Elrond, du Atom, du Tezos, du Solana, vous vivez très certainement pas la correction de la même manière. Donc à voir si c'est compté dans le Fear and Greed. En tout cas voilà, nul doute que petit à petit, plus le BTC diminue, plus la confiance diminue aussi dans le marché, et ça c'est clair et net. Donc il faut se méfier, mais c'est surtout qu'on va très certainement s'approcher sur le BTC, sur des zones d'achat qui vont devenir très intéressantes pour le moyen à long terme, parce que vous voyez, quand on était ici par exemple pendant le crack Covid, on a eu de belles zones d'achat, et là pareil, on redescend vers cette zone-ci, et très certainement on aura aussi de belles zones d'achat. En tout cas, le scénario d'un mois de septembre baissier, un mois de septembre rouge, semble vraiment se mettre en place, avec notamment aussi les open interest, les clôtures des contrats fin septembre, avec un max pain à 42 000$. On semble se diriger vers cette zone. Vous verrez sur les graphiques qu'il y a aussi pas mal d'indicateurs qui convergent vers cette zone, notamment ce petit graphique que je vous ai publié tout à l'heure sur Twitter. Donc c'est tout simplement, on a un logarithmique, j'ai mis une trend, et vous le voyez qu'elle est assez pertinente ici. À chaque fois, nous repoussé, donc ça on remonte jusqu'à 2015. À chaque fois, regardez, le cours du BTC a été repoussé, là ça a servi de support, là ça a servi de support, là on se repoussait, là on se repoussait, et là récemment hop, support, et là on semblerait se diriger vers un nouveau test de cette trend. Et du coup j'ai mis le petit point d'interrogation, est-ce que le support va encore fonctionner. Et si jamais il fonctionne, vous le voyez, la zone qu'on pourrait venir taper, elle correspondrait aux alentours des 42 000$. Donc voilà, encore un point de convergence vers cette zone-ci. En tout cas, certaines personnes n'attendent pas les 42 000$ pour acheter du BTC, et c'est pas n'importe quelle personne en plus, c'est Michael Saylor, donc PDG de MicroStrategy, qui annonce que son entreprise vient d'ajouter 5000 BTC à son portefeuille, soit l'équivalent de 242,9 millions de dollars. Qu'ils ont acheté en plus, pas du tout au prix de 44 000$, hein, parce que eux ils font pas des achats en un coup comme ça, ils doivent rentrer plusieurs fois. Donc ils l'ont acheté à un coût moyen de 48 000$, et du coup ils ont un portefeuille total de 114 000 BTC pour un prix moyen d'acquisition à 27 000$ par Bitcoin.
Donc ça fait aussi partie des choses qui doivent un petit peu nous rassurer. Voilà, si on a des grosses entreprises comme ça, des gros fonds d'investissement qui ont un prix moyen qui est situé par exemple à 28 000 $, on peut se dire que ils vont le défendre en si jamais on vient à se rapprocher de cette zone en rachetant des BTC. Un petit tour rapide du côté du Salvador qui continue d'expérimenter la vie avec le Bitcoin comme monnaie officielle. Là, c'est Nayib Bukele qui a annoncé, donc le président, que les investisseurs étrangers qui réalisent des plus-values sur le Bitcoin seraient exonérés si elles venaient tout simplement vivre au Salvador. Donc c'est un moyen d'attirer encore plus de capitaux. Alors j'ai envie de vous partager un petit commentaire hier que j'ai eu sous la vidéo où je vous présentais le projet Elrond. Je vais vous le lire très rapidement. Alors aujourd'hui, je suis millionnaire grâce à Elrond, mais surtout grâce à tes vidéos qui m'ont toujours fait croire au projet. Depuis maintenant presque un an, j'ai pris mes couilles et j'ai all-in tout ce que j'avais sur ce projet magnifique, surboosté par sa communauté et ses développeurs. Et voilà, 268 $ plus tard, je suis maintenant libre. Donc lu comme ça, ça fait un petit peu fake, mais cette personne, je lui ai vraiment parlé au tout début de mes vidéos en novembre, quand je parlais de Elrond à 7 $. Regardez, j'ai les preuves, hein. Je suis allé remonter en arrière histoire de me replonger un petit peu, voir si cette histoire pouvait être crédible. Donc là, c'est une vidéo qui date d'il y a 9 mois, donc ça correspond à peu près à novembre quand j'ai lancé la chaîne. Et vous voyez, à l'époque, je faisais 200 vues, et lui, c'était un de mes rares seuls abonnés avec qui je discutais en commentaire. Et voilà, il me demandait si investir sur du Elrond à 7 $, ça pouvait être pertinent. Donc moi, je trouvais ça pertinent parce que voilà, j'aimais bien le projet. Et de recevoir ce message 9 mois plus tard où potentiellement je lui ai complètement changé la vie. Après, j'ai juste peut-être influencé un petit peu, mais après c'est lui qui a fait ses choix. Comme il dit, j'ai porté mes balls, j'ai all-in. Et moi, par exemple, j'ai jamais dit dans mes vidéos de faire des all-in. Donc c'est chacun investit comme il le souhaite, parce que par exemple la technique de faire all-in sur un projet, c'est clairement pas ce que je conseille, c'est vraiment hyper risqué. Donc voilà, je voulais faire un petit clin d'œil à cet abonné. Si jamais t'as envie de me parler en privé, n'hésite pas, voilà, de m'envoyer un petit message sur Twitter ou de venir sur le Discord passer, raconter un petit peu comment t'as vécu les fluctuations, parce que je sais pas si vous êtes au courant, mais Elrond, pendant le crack, il est passé de 250 $ à 50 $. Donc si t'étais en all-in sur ça, ça a dû piquer un petit peu. Donc voilà, si jamais tu veux venir passer dans le Discord nous expliquer un peu ton histoire, n'hésite pas. Et juste avant de passer à l'analyse technique, on va faire un petit point sur Cardano, comme je vous ai dit en intro de vidéo. Donc les smart contrats sont enfin arrivés sur Cardano. Selon les responsables du projet, on entame une nouvelle ère du coup sur Cardano. On passe à autre chose, puisque maintenant les applications décentralisées vont pouvoir se greffer à Cardano et être utilisées dessus. Donc ça, c'est quand même une avancée majeure pour ADA. Et du coup, en parlant de ces projets, les voici, les potentiels projets qui sont en train de se développer sur ADA Cardano. Et ça, c'est clairement quelque chose à surveiller, parce que vous voyez bien que Cardano, il y a un énorme engouement derrière tout cet écosystème, puisque voilà, c'est une crypto qui fait partie du top 10 depuis très longtemps. Et forcément, de l'argent va découler dans les applications décentralisées qui vont se développer sur Cardano. Donc il y a des coups à faire, il va falloir surveiller tout cet écosystème. On se retrouve pour l'analyse du BTC. On va débuter par le 4 heures pour constater toujours la même chose, une tendance baissière qui reste baissière. On n'a pas de retournement pour le moment, on fait bien des points bas de plus en plus bas, des points hauts de plus en plus bas aussi. Regardez, hop, je vais vous les matérialiser au cas où vous avez du mal un peu à les voir. Hop, donc voilà, c'est une tendance baissière. On a les moyennes mobiles situées au-dessus. Vous voyez la MA21 qui nous a servi de résistance maintenant. Après, on a cette fameuse divergence sur le RSI qui peut laisser prétendre qu'on va réussir à trouver un bottom et réussir à retourner la tendance. Mais vous le savez, les divergences, c'est pas 100% de réussite. Donc la baisse peut se poursuivre sur le BTC. Si on se met sur le daily rapidement, on est toujours compris dans ce range, vous le voyez. Certes, on est à la limite, on est posé sur la MA50, on est posé sur le bas du range, sur le bas de la clôture ici, aux alentours des 44 000 $, voilà le support. Au niveau du RSI, pareil, on est sur un support assez important. Vous le voyez ici, hop, lors du bullrun de 2017. C'est pas pendant le bullrun de 2017, c'est pendant la première phase du bullrun de cette année. On est venu à chaque fois travailler cette zone environ à 44. Là, on est posé dessus. Donc voilà, c'est une petite zone qui pourrait nous faire basculer du côté bas du RSI. C'est soit on reste en haut, au-dessus niveau 50, 40 à peu près. Et du coup, on est dans la partie bull. Et si on vient chercher en bas, on passe dans la partie bear. On est posé sur support pour le moment. Et si on se positionne sur le weekly,
pour prendre un peu plus de vision en long terme, ce qu'il va falloir surveiller. Donc je vous ai dit la zone des 42 000 $, hein, qui peut être très pertinente à venir chercher. D'ailleurs, si on se met sur le daily, c'est là qu'on la constate encore mieux, avec notamment la moyenne mobile 200 périodes. Je sais pas pourquoi ça bug comme ça. Hop, je vous mets l'IMA 200. Si elle veut bien s'afficher, voilà. Donc vous le voyez, actuellement elle est située pile à 42 000 $. Donc c'est clairement quelque chose qu'on peut venir chercher. En plus de ça, vous le voyez ici, c'est le haut de l'ancien range, hein, donc une résistance, hop, on a buté trois fois dessus cette résistance, donc on peut venir la chercher comme support. Donc c'est clairement une entrée qui serait très intéressante sur le BTC si jamais on venait à chercher cette zone-ci. Et sur le weekly, je voulais faire un petit point sur le RSI parce que pareil, on est sur un niveau très important. On a soit l'oblique qui nous pousse finalement vers le bas, et on a maintenant ce support, cette zone de neutralité en fait. Hein. 50, c'est la zone de neutralité pour le RSI. Et vous le voyez, à chaque fois, lors par exemple du bull run de 2013, hop, on s'en est servi comme support pour repartir, hop. Et ensuite, quand c'était la fin du bull run, qu'est-ce qu'on a fait? On est venu topper et on est venu la valider comme résistance. Pareil pour le bull run 2017, plus ou moins, hop, on top une première fois en mode résistance, on la passe et hop, maintenant ça nous sert de support pendant tout le bull run. Et là, on pourrait venir faire la même chose. Finalement, hop, on passe très légèrement en dessous, on vient la casser, la briser, et là on est peut-être en train de la valider comme support et de repartir. Donc ça va être vraiment à surveiller de ne pas s'installer voilà dessous cette zone là qui signifierait clairement un bear market, je pense, ou du moins voilà une consolidation qui prendrait plusieurs semaines et plusieurs mois sur le BTC avant d'avoir un nouvel ATH. Allez, on va poursuivre avec l'analyse d'Ethereum qui va pas être beaucoup différente de celle que j'ai fait dans mes dernières vidéos, puisqu'on n'a pas eu énormément de changements. On n'a pas fait notamment deux points bas plus bas que le précédent pour moi sur le daily, donc ça reste un point positif. On est toujours en tendance haussière voilà sur cette unité de temps, et c'est le principal à savoir. Finalement, on a certes enfoncé un peu plus profondément ce support des 3 350 $, c'est un petit peu dommage, mais vous le voyez, la moyenne mobile 50 périodes nous maintient toujours au-dessus du haut du bas du range ici à 3 000 $. Donc voilà, ça reste bull pour moi, même si la tendance commence à se dénigrer un petit peu, à se dégrader, pardon, c'est pas la même chose, à se dégrader un petit peu. Mais voilà, clairement pour commencer à rentrer là, c'est un bon niveau, les 3 300, je pense. On est sur la moyenne mobile 50 périodes en daily, donc pour moi, voilà, vous pouvez mettre un petit billet sur l'Ether. Et sinon, vous avez une deuxième zone qui peut être aussi pas mal au niveau du weekly pour du plus long terme, pour du moyen terme, long terme, au niveau de cette EMA 21 et de cette zone psychologique des 3 000 $. Je pense que là, ouais, ça peut être intéressant aussi de commencer à re-rentrer sur Ethereum. Et on va conclure la vidéo comme d'habitude en faisant quelques alts. Alors on va commencer par Atom Cosmos, hein, qui fait partie des alts qui performe plutôt bien en ce moment malgré la chute du BTC. Vous le voyez, nouvelle ATH hier, ça c'est quand même un signal très puissant. Sur le weekly aussi, on a eu un signal très puissant, puisque on a eu la clôture la plus haute jamais effectuée sur Cosmos, bien plus haute que les 28 $. Donc ça aussi pour moi, c'est un signal bien puissant. On est passé au-dessus du niveau 70 de RSI, c'est aussi un signal haussier. Personnellement, voilà, il n'y a pas trop de signaux qui me donnent envie de vendre Cosmos ici, même si voilà, on est dans la zone de l'ancienne ATH. Mais vu qu'on passe par-dessus, et ben là ça y est, on a un price discovery, et il n'y a plus rien qui va empêcher le cours de monter. Donc je pense que vous pouvez attendre un petit peu pour les personnes qui sont qui sont déjà positionnées sur Cosmos avant de prendre des profits. Je vais vous mettre un petit fibo d'extension, histoire qu'on essaie de se donner quelques petites targets. Vous avez les 1.2 qui commencent à être aux alentours des 47 $. Globalement, voilà, on peut dire que la zone des 50 $ va être une zone qui pourrait être intéressante pour prendre des profits sur Atom Cosmos. Je voulais vous montrer aussi la charte contre le BTC qui est pas mal intéressante aussi. Vous voyez, on a un gros range en fait sur Cosmos. À chaque fois, il vient chercher la borne haute, après la borne basse et ainsi de suite. Et là, vous voyez, on est posé sur la borne haute. Donc attention, peut-être un petit peu du mal à prendre de la valeur contre le BTC, ou alors un breakout qui serait là pour le coup extrêmement haussier sur Atom Cosmos. Donc à surveiller cette charte contre le BTC. Elrond, pareil, on est extrêmement bullish, hein. On a fait une clôture weekly plus haute que la précédente malgré la baisse du BTC actuellement. Voilà, Elrond continue à rester dans une journée haussière.
Donc ça prouve toute la force du momentum hein, finalement. Pareil, le RSI est très bien orienté. Là, on part au-dessus de la zone de 70, on a cassé la petite divergence. Donc pour le coup, pareil, pas forcément de raison de vendre. Est-ce que je vous mets un petit fibo rapidement? Bon, je l'avais fait la dernière fois, en gros c'est la zone des 500$, je pense. Entre 400 et 500$, on va commencer à rencontrer de la résistance pour Elrond. Elrond BTC d'ailleurs. Pareil, c'est assez intéressant. Voilà, hop, la charte, elle parle d'elle-même. On avait un canal ascendant, hop, on vient de le briser à la hausse. Donc là, c'est pareil, c'est Price Discovery contre le Bitcoin. Donc vraiment, Elrond, ouais, il y a de quoi être extrêmement bullish dessus. Voilà, après, voilà, essayez de ne pas FOMO. Hein. Toutes les personnes qui ne sont pas rentrées, il faut attendre des retracements, c'est comme ça. Parce que sinon, ça, c'est quand même risqué d'acheter des bougies vertes comme ça, empilées. US, je voulais vous montrer sur le daily, on est en train de consolider sur l'ancienne zone d'ATH, donc ça peut être un petit point d'entrée intéressant, voilà, si le pump venait à se poursuivre. Et je vais pas conclure par Tezos, on va faire ADA Cardano aussi rapidement. Tezos, c'est peut-être la prochaine voilà, crypto qui va poursuivre et rentrer aussi en price discovery. Vous voyez là, on a ce niveau, donc c'est les ATH, hein, l'ATH qui est situé à 8,4$, et là on est tout proche. Malgré la correction du BTC, Tezos continue de performer, donc ça, ça envoie quand même un signal assez puissant. Sur le weekly aussi, on a quelque chose d'assez intéressant. Vous voyez ce biseau d'élargissement, pardon. Certes, il y a une imperfection ici, mais je le trouve assez pertinent quand même, et là on vient de refranchir par le haut cette oblique, donc vraiment affaire à suivre. Attention par contre, on a la clôture weekly qui s'est faite sous pile en dessous de la clôture la plus haute réalisée sur Tezos. Donc ça, c'est un petit signal baissier, il faut se méfier. On n'est toujours pas passé dans la zone de 70 de RSI pour Tezos, donc là pour le coup, acheter là sous ces résistances, c'est quand même assez risqué, mais à surveiller. Si on part en price discovery, qu'on fait un pullback, vous connaissez un petit peu la chanson, pourquoi pas tenter de rentrer. Et je voulais aussi vous montrer Tezos contre le BTC, parce que on a une pattern assez intéressante là pour le coup, un W hop qui est validé, breakout avec cette clôture weekly. Donc ça, c'est quand même pas mal, il pourrait prendre de la valeur contre le Bitcoin. Et on va conclure la vidéo par ADA Cardano. ADA Cardano qui est quand même pas mal vertical, vous le voyez. On a fait une belle mèche ici, ça aurait pu être intéressant de se positionner. Vous voyez, retour en bouclier sur la MA21 en tendance haussière. Généralement, les replis comme ça sur les cryptos où on vient chercher la MA21, c'est quand même intéressant à prendre. Et si on prend le daily, pareil, on est posé sur la MA50. Sur l'ancien ATH, on consolide un peu comme UOS en fait, mais il faut se méfier puisqu'on a potentiellement une structure de retournement de marché, une structure de top. Hein. Vous voyez, hop, on a le point haut ici, le point bas, et là on a fait un point bas plus bas que le précédent. Donc attention qu'on ne construise pas une figure de retournement qui serait par exemple tout simplement hop, un point haut ici qui serait du coup plus bas que celui-ci, et derrière, hop, on dégueule un peu plus bas. Donc voilà, mais le risque peut être intéressant à prendre, hein. Vous pouvez faire un achat ici et tenter de jouer bah voilà, le retour déjà à l'ATH et potentiellement ensuite un nouveau price discovery. En plus voilà, avec tout ce qui arrive sur ADA Cardano, ça peut être ouais, vraiment intéressant. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, bah, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Passez une très belle fin de journée ou très belle matinée selon le moment où vous regardez la vidéo. Et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao, ciao.